Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment faire pour installer Fit Pro sur les téléphones qui sont plus compatibles. Certains téléphones, lorsqu'on reçoit cette montre et on scanne le code QR, on part directement sur Play Store pour télécharger l'application Fit Pro. Je tape Fit Pro. Malheureusement, j'ai ce message-là. Cette appli ne fonctionnera pas pour votre appareil. Alors que j'ai reçu ma montre, la voilà. J'ai besoin de solutions pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, je vais partir directement sur Google. Voilà Google. J'attends le téléchargement de la page. Voilà. Je lance une nouvelle page. Recherche. Sur la recherche, je vais taper Aptoide. Pour votre information, Aptoide, c'est une boutique en ligne pour télécharger toutes sortes d'applications. Des jeux, des applications utiles, des applications de messagerie comme WhatsApp, ainsi de suite. Dans notre cas, c'est le système Google qui bloque le téléchargement de l'application Fit Pro sur une ancienne version d'Android. Ben là, j'ai Aptoide. Je clique sur Télécharger Aptoide. Voilà, après sur Aptoide Téléchargement. Je lance normalement sur ce téléphone-là ou cette tablette, j'ai déjà Aptoide qui est téléchargé. Vous pouvez mettre Chrome et vous allez voir que le téléchargement va commencer, voilà. Vous cliquez sur téléchargement, comme ça, et vous suivez les étapes pour mettre Aptoide sur votre téléphone. Sans oublier que lors du téléchargement, ou lors de l'installation plutôt d'Aptoide, on va vous demander d'activer l'option installation des applications sources non reconnues. Comme ça, vous partez sur les paramètres, vous allez le faire. Moi, j'ai déjà installé sur mon téléphone, sur ma tablette. Aptoide. Je vais retourner sur la tablette. Dans tous les cas, pour Aptoide, vous allez trouver le nom et le lien du téléchargement sur le descriptif dans la boîte utile. Le voilà Aptoide. Je lance Aptoide. Voilà l'interface pour Aptoide. Comme je vous ai dit, c'est une plateforme pour le téléchargement des jeux, tout ce que vous voulez. Je vais partir sur recherche. Voilà recherche. Je vais taper Fit Pro. Je vous rappelle que cette démarche est pour les personnes qui ont reçu ce genre de montre des 20, mais malheureusement leur téléphone n'est plus compatible. Voilà Fit Pro, c'est la première. Je vais cliquer sur Fit Pro. Je vais cliquer sur Installer. Le téléchargement va se lancer. L'installation prend un petit peu de temps, ça dépend de la vitesse de la navigation, de la vitesse d'Internet que vous avez. Voilà, l'installation est en cours. Je patiente le temps que l'installation soit terminée. Après, on va voir ensemble comment faire pour connecter la montre au téléphone ou à la tablette. Je parle toujours des anciennes générations de téléphones, ceux qui ont des Android qui ne supportent plus le téléchargement de Fit Pro à partir de Play Store, Google. Voilà, installé, c'est fait. Je clique sur installer. Je patiente le temps de l'installation. L'installation est en cours. Ça prend un petit peu de temps parce que le navigateur, plutôt la RAM de ma tablette, elle est petite. C'est normal pour les anciennes versions de téléphone. Les RAM et les processeurs ne sont pas au top. Voilà, je patiente un petit peu.
J'attends que l'installation se finalise. Ouvrir. Voilà. Je clique sur ouvrir. Maintenant, nous sommes sur l'interface de FetPro. Appareil déconnecté, ce qui fait qu'il n'y a pas d'appareil. Je clique sur agréer, ce qui fait j'accepte. Autoriser l'application FetPro à accéder à la position, j'autorise. Maintenant, je suis sur l'interface de FetPro. Ça, c'est la page d'accueil. Comme vous voyez, step, c'est le nombre de pas par jour, ainsi de suite. Vous avez kilomètres, calories, incomplis, 88. Ce sont des données qui ne sont pas correctes parce qu'il n'y a pas de montre qui est connectée et il n'y a pas de mesures qui sont prises. Je pars sur appairage. Appairage, voilà. Je pars sur, là il y a la montre qui est écrite déconnectée alors que notre montre est là et elle est allumée. Comme vous voyez, je l'ai chargée. Je tiens à vous informer que lorsque vous recevez votre montre la première fois, vous mettez la montre au chargeur et vous patientez un petit peu pour que le téléchargement, pour que le chargement commence. Ça prend un petit peu de temps que d'habitude. Voilà, ben moi je vais partir sur lier les périphériques. Lier les périphériques pour en profiter de plus. Voilà, c'est fait. Là, la tablette elle est en train de rechercher la montre. Elle l'a trouvée. La voilà. C'est 716. Je vais cliquer sur. Là, essai de connexion. La montre est en train de. La tablette est en train de se connecter à la montre. Voilà. La connexion tarde un peu.